On a une bagnole pour le taf. Je dois aller installer des rideaux chez un client. Nouvelle voiture de Théodore. C'est trop trop bien. À Natal. On va aller travailler un peu là, c'est important, hein. Faut faire des sous pour chercher ce genre de véhicule. J'ai un camion mais il me sert que pour le week-end. Ça fait grave longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais cet été on n'avait pas fait de vidéo alors qu'on en avait une. C'est tout dégueulasse. Tu voulais même pas, je sais pas, tu voulais pas faire de vidéo. Ouais bah non. Ça t'es un fou youtubeur. Trop nul. Il fait ça que pour l'argent, il en a rien à foutre de sa communauté. Oh elle fait un son, il y a des retours. T'as vu ça? Il y a les garnitures de frein qui sont clignotées, t'as plus de frein. Non, il vient de les changer, il a pas changé le témoin du jour en fait. Donc. Mais là, c'est un bruit tout à fait normal, il y a rien de bizarre. Hein. On va décoller. Ok, allumez les turbines. Putain, c'est horrible. Non, je crois qu'il y a un hélicoptère là. C'est comme ça, réseau en plus. Ok, ok, 1, 2, 3, vive l'Algérie. On dirait un hélicoptère, ouais. Un ULM. C'est terrible. Ouh! T'as une putain de restaurant et t'as ça. Qu'est-ce que je voulais dire, la petite anecdote? On en avait une de cet été. Alors là, on va balancer, les gars. Là, on va balancer. Hein. Alors, c'est le petit copain de Julia à l'heure. Pas trop en retard. Comment il s'appelle? Bah, Julien d'ailleurs. Si tu vois cette vidéo, gros mytho de Suisse. Saleté, va. Alors le mec il se fait donc Julia Haller HLR sur Insta, vous la connaissez, elle a fait des vidéos avec GMK et tout. Elle a un pélo qui a soi-disant a pas Insta, il s'appelle Julien je sais pas quoi. Soi-disant il a une agence de location, il s'achète des Urus cash et tout. Et donc bah, l'été dernier il nous a loué une voiture. Alors, il a loué une voiture à Théodore et il a dit ouais là je reçois bientôt une F8 Tributo et tout. Il parle avec son accent suisse, tu vois, il en profite. Il est là dans les Urus de location, il est là. Ah, j'entends une F8 là. Et en fait, le mec, il n'y a pas longtemps, il a demandé. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, il a demandé 100 balles à Théodore. Ouais, t'inquiète, je les rends et tout. Il ne l'a jamais rendu. Théodore a parlé à un autre mec qu'ils ont en commun. Il a dit ah ouais, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit oh, heureusement que tu me dis ça, je savais pas, je pensais pas ça de lui. Tu devrais insister pour qu'il puisse te les rendre. J'ai insisté, il ne les a jamais rendus. Et donc le mec, il se fait passer pour un Suisse, il y a une agence de location. Donc en fait... Il prend les voitures en Suisse, il les loue en Suisse. Il les loue en Suisse. Il les sous-loue à Monaco. Elles ne sont pas à lui, les voitures. Parce que Théodore a vu sur une agence de location suisse ben, les voitures que lui, il louait. À Monaco. À Monaco. Qui disait que c'était les siennes, quoi. Qui se les achète cash et tout. Oh putain, ouais. Et du coup... Et du coup, il a dit ouais mais moi c'est pas tes 100 balles qui vont me. C'est pas tes 100 balles qui vont me faire peur, moi je m'achète des Urus cash. Bah en fait non, pas du tout parce que. Absolument pas. Il n'y a plus d'essence. Parce que du coup il a pas un sou le mec. Et nous on est dans un resto de chantier qui frotte partout. Wesh ouais. Écoutez le bruit du 5 c'est là. Wow. On fait de la restauration. Bien sûr que j'ai un camion, mais je préfère le sortir que le week-end, quoi. Ouais, ça vaut pas le coup. J'ai un petit fourgon, mais c'est pour emmener ma meuf en week-end et tout, tu vois, tranquille. J'ai envie de lui mettre des kilomètres pour rien, quoi. Ouais. Du coup, c'est une RS3 de chantier, quoi. Elle est bien utilisée, ça c'est sûr, elle roule bien. Ah, celle-là, elle est pas faite pour se pavaner, frère. Elle roule. Voilà. La bagnole elle roule. Il y a les tubes parce que je dois faire des travaux. Hop alors, attends. Hop là. Voilà. Voilà. On va bosser là. Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, flipping the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just wait for the bullet fly, I'm the last one to die.
Ah, RS369. Wesh, t'es mains. Ah, tu veux monter? Ah, il nous manque les ballons, il nous manque les ballons, et puis là, on ressemble à des Lyonnais, là. Chapello, Chablago, va. Ah, on voit le bigot, là, on voit des messages à des chats. Ah, viens, on se pète. Ah, y'a de la chatte. On va se faire exclusivement rester. Faut qu'on soit 6 dans la voiture, normalement, ça marche pas. 4 derrière, 2 devant. 6 dans la voiture, faut qu'on ait les ballons, les flashs, qu'on se comporte comme des trous de balles, et là, on est comme des Lyonnais. Là, on s'arrête à boire, à Piave. Et après on se dit cave et après vous et après voilà. Voilà frère, ici c'est la zone. Il fume comme les darons à l'époque. Alors là, les enfants, on est à Morestel. Avec les caméoscopes, c'était tout pourri. Léal. Venez découvrir sa ville et ses couleurs. Morestel. Il avait fait marcher droit. Je dis et du coup je faisais le mec sous crack. Vas-y crackhead. Action. Ah une crotte. Oh, putain. Ouais les amis, fin de chantier. Je suis allé installer des tringles. Des tringles à rideaux, j'en avais juste pour 10 minutes hein. Il est 21h30. On est arrivé à je sais pas quelle heure, 19h. On a foutu un bordel. Je sais pas comment comment le voisin, le Christian. Il l'a pas fait pour gueuler. Il nous a prêté une petite rallonge. Ouais les amis, on va au McDo, puis après bateau. Oh putain, ils sont chiants. C'est chiant, c'est abonné de merde là. Non mais viens, ok. Mais moi gros, si je fais ça, c'est uniquement pour la thune. Je peux pas. Je fais ça pour la thune, pour m'acheter des beaux saps. Pour m'acheter des belles choses. Pour m'acheter des putains de potes. C'est tout quoi. Vraiment. Voilà, c'est tout. Ça me saoule. Mais ça filmait! Ok, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va décoller. Je répète, mise en route. Aéroport Roissy, Charles de Gaulle. Mise en route des moteurs. Une moteur. Oh putain, mais oh my god, this is motherfucking real mini girl, man! What the fuck, dude? Oh là là, dude! Tiens le bruit! Il doit nous entendre l'autre, ok, bam. Oh, on voit tout deux, on voit tout l'hélicoptère. Ah, c'est mon tour, comment on voit l'hélicoptère. Faut bien qu'elle sache. Garde-toi bien devant. Oh, bien ouais, doudouvain. Bien doudouvain. Oh, il est stylé son arbre. Oh putain, il est venu en arbre. Oh non, juste là. Oh, ouais, juste là. Ouais, juste là. Il fait des rupteurs. La honte, voilà. La honte. Il y a un mec dans son dossier à côté. Est-ce que je le filme? Est-ce que je le filme? Arrête, il lève la tête. Est-ce que je le filme? Il va rayer la caisse, il va se dire mais pourquoi il filme cet enculé, mais je crois qu'il te regarde.